Mais Dekhali, il a changé de QG. Si. Beaucoup mieux. Si Saïd, salam alaikum. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Ben, je m'appelle Ididir Saïd. Je fais du judo, j'ai commencé le judo à l'âge de 8 ans, 9 ans. J'ai 63. J'ai fait de l'aïkido un peu de kendo, le zen. Je suis resté spécialité en judo. On est où là, si Saïd? Vous êtes maintenant actuellement dans mon club, au centre sportif Casablanca, ex-dojo olympique Casablanca. Et ce dojo, tu le tiens depuis quand? C'était pas moi qui le tenais, c'était mon frère. Mm-hmm. C'est depuis 1972. Moi, j'ai repris jusqu'à 84, 85. J'ai repris la suite. Super. Si ça aide, j'en profite pour te féliciter. C'est très gentil. Parce que le dojo est très bien tenu. Franchement, c'est agréable de s'entraîner ici. Ça me fait plaisir. C'est très gentil. Ravi de vous connaître aussi. Mais vous êtes les bienvenus. C'est votre club. ماشي بالعربيه عبد السلام لا فرنساوي عافاك كون كنتي كتفهم العربيه كون رجعتي لفرنسا انا بعدا نروح نردك فرنسا بالرب صافي دابا غندير السميه اللي بغيت لها بلدي كي داير انت بلدي ياك اه كاينه البلدي واللغه العربيه وطويجنات ما شاء الله دجيجات تويشيات ما شاء الله فهمتيني كيف فهمها العربيه القرعه واش فهمت لك بطاطا خيزو داكشي البلدي لفت لفت كيفاش كتقول تريونغ بالعربيه تريونغ كتقولها مثلث الخنق اللي شديتو بس لينا التريك بس لينا بس لينا بس لينا on va reprendre la technique de la semaine dernière les passages de garde que vous faites pour moi c'est le meilleur exercice ça vaut tous les drills ça vaut toutes les techniques parce que vous travaillez tout le cardio Ensuite, j'essaye, quand je vais faire ça, de poser mon genou en premier, mais de ne pas rester ici. D'accord? Ça, c'est une position qui est plus forte que ça. Ok? Ensuite, je vous ai dit, je vais mettre ma main, je garde ici la pression. D'accord? Je vais ici. C'est important que je garde ici le crochet. Soit je pousse sur la hanche, ou j'attrape le pantalon. Moi, personnellement, je préfère pousser sur la hanche. D'accord? Et pour pousser la hanche, je dois pousser comme ça. Si mon bras il est comme ça, je peux pas pousser. Hein. D'accord? Mais ne restez pas comme ça. Je reviens ici, je pousse vers le bas. Mais je pousse pas comme ça. Je pousse vers le bas. D'accord? Donc, j'arrive ici. En même temps que je pousse, allez, cette jambe là, elle passe en dessous. Et la pression, elle est ici. D'accord? Là, je suis pas ici, hein, au sol. Je suis en l'air. Comme ça, la pression, elle est là. D'accord, je reviens tout de suite, le premier genou à mettre, c'est celui-là. Attention à ne pas trop anticiper, à vous dire, moi je suis fort et je fais ça, et là il vous prend le miga. Il va dire, ah oh, la technique elle marche pas. Non, la sécurité c'est quoi? C'est de faire ça et de faire ça ici. D'accord? Et restez petit, arrêtez d'être ici là. D'accord? Dès que vous allez laisser de l'espace, il va rentrer, il va commencer à vous casser la tête ici. D'accord? Je veux rentrer. S'il n'est pas fort, je fais ça. Et je l'écrase, attends. Et je l'écrase. D'accord? En général, ça c'est très dur. Pourquoi? Parce que s'il a les bras qui sont tendus, je ne pourrais pas avancer. Venez ici. Là. Hop. Je viens. J'enlève. D'accord? Et là. Soit je passe ici. Maintenant, quand vous voulez faire à monter. Si vous laissez la jambe ici, d'accord? Il ne vous a pas suivi. Si je fais ça, mais il va m'attraper, c'est sûr. Donc soit, quand j'ai fait ça, il me suit, il vient avec moi parce qu'il veut, boum. D'accord? Si je suis rapide, je pose, regardez, je laisse ma main. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça,
et je pars. Je laisse la main et je pars. Si je suis quelqu'un qui n'est pas très rapide et je suis plutôt lourd et puissant, bam. Allez, je ramasse. Vous avez vu comment je fais? Je ramasse. Je viens verrouiller. Je me remets en face. D'accord? And that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Assalamualaikum.